Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très très bonne année 2017. Merci d'être aussi nombreux à me suivre sur ma chaîne. Franchement, ça me fait super plaisir. Je vais vous faire une petite vidéo présentation Crystal Screen de Climber, comme Munch me l'avait demandé, avec un petit gameplay à la fin. Donc, Climber. Ça vient tout simplement de la licence Ice Climber qui est sortie sur Famicom en 1985. On l'a vu sur la mini NES là dernièrement justement. Il y a eu deux versions, version Crystal Screen, donc qui est une des versions, la plus facile des trois, mais ça reste plus facile à trouver des Crystal Screen, mais ça reste quand même assez difficile à l'obtenir est quand même assez recherché. De toute façon, les Crystal Screen sont très recherchés pour les collectionneurs de Game & Watch. Et il y a eu la version New Widescreen qui est sortie après en 1988. Donc, dans ce jeu, on incarne Popo qui doit gravir une montagne. Il y a 25 étages. Et quand on arrive au bout du sommet, on doit essayer d'attraper l'oiseau qui s'appelle le Entory. On a deux essais. Voilà, donc il y a 25 sommets, donc il y a de quoi faire. C'est un jeu assez intéressant, franchement, je l'aime bien. C'est un des meilleurs, je trouve. Il a une bonne jouabilité, un bon gameplay. Donc je vais vous montrer tout ça. La version New Widescreen aussi, je vais vous en parler au niveau de sa rareté. Ça reste stable au niveau des prix. Donc c'est vrai que les New Widescreen sont assez recherchés aussi. Donc, voilà. Alors moi j'ai pas, il y a un petit paysage qu'on peut mettre derrière, je ne l'ai pas. J'espère qu'on va bien voir là, Je vais essayer. Donc là, c'est des piles CR2020. Voilà, comme ceci. CR2020 par rapport aux autres, des piles rondes. Donc moi, par contre, j'ai pas de cache-pile. Allez, c'est parti, les amis. Donc, on va essayer ce Game & Watch. On va essayer d'éviter les ennemis qui viennent de la droite et de la gauche et des oiseaux. Donc vous voyez, quand il tombe, ça crée des plateformes. Mais c'est galère ou quoi? J'ai de la chance. Hein. On essaie de choper l'oiseau une fois qu'on est en haut. Voilà, donc là je suis au deuxième sommet. Il y en a 25 comme ça. Voilà, donc je trouve ce Game & Watch plutôt sympathique, franchement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine les amis. Allez, salut tout le monde.